de très intelligent parce qu'à New York, et c'est les Bena, et c'est les New York Bena, on tourne à fin. Les on tourne à taxe, on tourne à Blenny Gladio. Donc, à Caméra, tu es beau hôtel, du maman au front, tu es hôtel à Régé. Maman de Blenny Gladio, restaurant. Maman Bédio, restaurant, toi, baby. Elle est intelligente, elle est là. Moi, intelligent, c'est au moins. Fais Dieu, n'y a ni pour lui, on est trop pour aller tout me pire. Il y a nos prisons sans faire. Si vous aimez suivre l'actualité sur l'actualité togolaise, alors je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Je vous invite à prendre un tabouret et à vous asseoir confortablement. Et je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car ici, nous ne vous livrons que des pépites. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Kwesi, et sur notre chaîne, nous rediffusons les lives du jour et de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement autour de vous. C'est des personnes qui n'ont pas compris. C'est des personnes qui n'ont pas compris. Parce qu'en cas, comment c'est-tu que vous l'avez au Vatem? Vous avez des tas, 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 Donc, donc, à New York et Fidjian, par exemple, Sming a les $15 par heure. Restaurant, le tout $10 par heure. Parce que, rien que, à mort, on a tips, les fous. On le voit en télé. C'est les tips. Eh bien, il y a des tasses dont les tips dit, Kudo overtime dit. Il y a des tasses dont les tips dit, everybody making money. Et en plus, on a mis les trucs blancs. Trump est hôtel baignant. Trump a été le gars qui sait comment. Économie c'est quoi? Et Bouratame quoi? Trump est hôtel collé et à New York, il va rechercher une chenji. Trump t'a auquel ni à New York, Trump on tourne à tasse les jours parce qu'en cœur, parce qu'à maman, ben cimetière. Parce que c'est un voleur, menteur. C'est un anateur. Bon, dirais la fofo, c'est quelqu'un de très intelligent parce qu'à New York, et c'est les Bena, et c'est les New York Bena, on tourne à fin. On tourne à taxe l'eau et nous qu'est-ce que je veux dire? Blenny Gladio. Donc à Caméra, tu es beau hôtel, du maman au front, tu es hôtel à Régé. Maman de Blenny Gladio, restaurant. Maman Bédio, restaurant, toi, baby. Elle est intelligente, elle est là. Moi, intelligent, c'est au moins. Fais Dieu. N'y a ni pour lui, on est trop pour aller tout me pire. Il y a nos prisons sans faire ça. N'y a ni pour lui, on est trop pour aller tout me pire. Il a nos prisons sans faire ça. Il a trop pour rien. On a compris. Bonjour, voilà. Est-ce que vous avez déjà vu comme il y a beau? C'est parce que maintenant il est à mes bocs et il y a beaucoup d'hommes qui veulent 10 dollars. Il y a une question. Parce que beaucoup de cas pour bon. Trump est bon, il y a beaucoup de il y a mes bois, il y a un peu d'avantage. Citez bien. Non, tu parles de à mes bocs et pour le Trump. Maintenant, Kamala Harris bénéfice que la Namia. Parce que lui, tu as battu demain. Kamala Gloré Dumefi Obobe, non, ni first time home buyer, également loan ou la plahoué. Tu sais comment ça va impacter la minorité aux États-Unis? Elle a promis de donner, je pense, 25 000 ou 20 000, n'amere donc quoi ne corrigez. Mais je suis sûr que c'est le nombre. Pour faire un down deposit, nous avons plahoué au ni first time home buyer. Parce que l'une des manières pour pouvoir devenir riche ou bien créer wealth, les États-Unis, c'est à travers la possession des propriétés. Entrepreneur, il peut les doumer la tonon. Nous, Dibé Nobé a créé et generational wealth na doko kudo famille. C'est à travers home ownership. OK? Aujourd'hui, les maisons coûtent tellement cher que la dame dit, elle va mettre en place un policy qui va pouvoir nous aider. Et comme il y a un que l'autorité visa va doumer et soit, va pouvoir bénéficier de ce leg up. Politique.
Mais c'est Paris la rose. Paris la rose. On dirait qu'il y a Paris la rose. Le coucouaré. On prend T-Mobile et puis on promo un kebab. Buy one get one free. Qu'on soit sur la crête pour aller. Il est sur la crête. Quand vous n'avez pas les sens. Oh ben non, non, do argument are. Le républicain ko pa ta va pia nyam le na mi fe ron mi tele blonyare ko argument ko e noa comme comédie comme le ouais. C'est pas est-ce d'accord qu'aux États-Unis rien n'est gratuit. Non c'est normal. Il y a question pour le bien mari. Il y a pas ta minya noa là. Donc rien n'est gratuit are. Manu zamde ka. Manu zamde ka. On la relation après allo. Rodi. Rodi. Rodi, il y a collègue blonyare nyam 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 ça. Je suis en train de dire c'est quelque chose qui va aider une personne de minorité pour créer wealth. Tu ne peux pas le Dumevi, ok? 250 000. J'ai vécu dans la maison là en 2 ans. Il y a 315 000. Il y a le plan. C'est comme ça que tu construis. C'est la ma bien questionné. C'est la ma bien questionné. C'est la question, s'il vous plaît. C'est la. Yes. Non, mais 20 000 dollars, bien sûr, pour la réarrêt. Intérêt de la banque à s'élève à combien? Ça dépend. Question qu'on est bien moi. Ça dépend de la banque. Question qu'on est bien moi. C'est la bien question. Ça dépend de toi. Ça n'a même pas de sens. Et ça dépend aussi de la banque. Ça dépend. Et Marie la Rose. On a qu'une team de questions alors. Je dis parce que si aujourd'hui par exemple. Elle joue na gbogbore le wan mi. Ouais. Et Marie la Rose. On a d'appel à l'Amérique carré, hein. Le niabe crédit au maire. Mais credit score de jouer dans l'eau, is credit story, credit line. Ça fait aussi partie. Ouais, ça fait partie. Credit line. Monsieur, mais là, tu Google that. What is the current interest rate in the United States? 7.1. Ah, monsieur, mais là, tu dit. En quoi ouais, ça? Il y a même commis le 8. On est des chefs. Hein? Marie la Rose. On a qu'un team bien question. Alors. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de la banque, c'est 7.1, right? If the government give you 20K for free, the bank don't get, they're going to get that money twice on you. But I just gave you an example. Yeah, they're going to get that money twice on you, and then you know what? Moi, je parle avec des papiers. Moi, ma maison, ça me revient 3 points, où ça est même? 3.87. Thank you. You know why? Parce que non, ça, après crédit line, au Fifi, après crédit line, au Iji. He has nothing to do with it. Hold on. Marie la Rose. Let's talk. Ni pompo si bebe nare. Ameriko lo ekonomia. Ola sebe kebe. Senegal pompo ek blombe deko. Ebe, first buyer. Amerike ja plaho chuchuk ban. And then, most of the time, some people don't have that much credit score. And then they don't have that much credit line. It's nothing to do just with credit. I'm going to go to the house. Propriétaire de maison. Maintenant, le blanc, Rate Benya, en quoi ce que tu viens de dire empêche quelqu'un ou
en train de contradire ce que Kamala fait. Parce que c'est juste pour te dire, c'est juste pour te dire que maintenant, si vous êtes collègue blanc, si vous êtes collègue blanc, mais Donald Trump a des promesses pour Belé, ben des problèmes pour Dominique, et même les prouver, non, mais Kamala Ali, Arisa, autant les entuber en moi, on les fie en moi économiquement. Il y a que bon, pour me vécuer, tromper Kamala Glombe no Benewa. Je pense que ça va aider l'Africain ici. Donne-moi deux policiers de Trump. Il n'y a pas ta minance. Ok, monsieur, que monsieur, ne Trump monsieur. Va pouvoir et la couleur africaine. Monsieur, s'il vous plaît, donne-moi. Monsieur. Monsieur, Marie la Rose, pour l'instant, il n'y a calmé le père du coup de César. Parce que donc, vieille numérique, les fous. Il n'y a pas tant de demandes, les lives, n'y a pas. Il y a plus de 200 de demandes, les filles. Il n'y a que donc, à veille numérique, les fous, arrivent à Pompo. Et quand les fous, on va lui donner la parole alors. Bonjour la mission. Eh, Marie, bien placé. Marie, c'est là. Il est talking about the part of Vivier. Mijo. Ok. Ok, moi je suis à Paris, mais c'est débat depuis un moment donné. Donc, on a parlé de plusieurs sujets. Donc, bon, ma cité, Pedro, Clero, sur l'économie, sur l'immigration et puis sur la politique internationale. Bon, il y a tout ce bon, je ne comprends pourquoi les gens s'en prennent à Donald Trump. Donald Trump, c'est un programme, il a un programme qui favorise les Américains. Il faut, je vais rappeler une chose déjà. Donald Trump a été déjà président à partir de 2016. Donc ça veut dire que quoi? Quand il a été président, il a fait des actions que les Américains ont aimées. Les Américains sont des gens vraiment pragmatiques. Ils ne sont pas sur des promesses sans réalisation. Ce sont des gens vraiment pragmatiques. Donc les Américains ont vu Trump déjà pendant 4 ans. Donc, à personne ne va leur dire, peu importe la propagande de CNN, de ABC, personne ne va jamais arriver à leur dire le contraire. Bon, déjà, nous sommes économiques. Ce sont des chiffres, ce sont des faits. Trump a été le premier président depuis 50 ans à ramener le taux de chômage à moins de 3,5%. Et ça, les Américains ont aimé. En Amérique, Trump a bénéficié des succès de Obama, tout ça. Bon, peut-être disons après la crise de 2008. Mais faut pas oublier que oui, Obama a vivement critiqué le programme de Trump quand il avait fait des promesses pendant la campagne de 2016. Mais sa réforme fiscale a eu un impact direct sur l'économie. C'est ça qui a lancé ce boom économique qui a fait que le taux de chômage a baissé. Mais parlant même des minorités, Trump a fait baisser le taux de chômage des Noirs américains à un niveau plus bas depuis 50 ans. Donc la preuve, vous allez voir que 2016, Mia, c'est 8% des Noirs américains qui ont voté pour Donald Trump. En 2020, c'est 12%. En 2000, cette année, c'est plus de 15%. Donc, ça veut dire qu'il y a un réveil. Les gens ont vu son action, les gens ont vu son programme et ils ont aimé. Maintenant, si on vient à l'immigration, hein, il faut m'appréciser Ndelo. Trump, lui, n'est pas contre l'immigration légale parce que, et là, il faut le préciser, pourquoi Monéa, il y a une différence entre immigration légale et immigration illégale. Illégal là, comme tout le monde veut vraiment qu'au tournant d'Indi, Vana, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Même au Togo, Togo est frontière, les Togo. Et quand tu viens comme Founoir, frontière, les Togo. Et vous allez voir que à chaque fois, les crimes, comme crime qu'au journal, ça passe beaucoup, passe par la frontière. Non, nos filles m'ont le lumière. Fika Moussona, la plupart du temps, Fika Moussona est mort. Laisse-moi parler. Donc, ça veut dire que quoi? Vous comprenez? Eh, Oba, récitation, on va même le comprendre. Je ne comprends pas. Récitation. Et puis, à moi, les signes, je vais t'amener partager.
mis tapoté écran. Ce que veut dire que la frontière a été toujours une brèche pour pouvoir faire des activités illégales. Veille number. Si quelqu'un comme toi... Oh, oh, mais les 41 000. Mais en ce moment, oh, mais les camifiés. Bon, les filles, mais les pompons, putain. Mais les camifiés, les pompons. Mais t'as poté, nous, écran. Et moi, là, il y a au moins 100 likes, putain. T'as allé? Même pas besoin d'algorithme, même les gens. Ok. Donc, si quelqu'un comme Trump veut le bien de son pays, il ne veut pas de l'immigration illégale, moi, je ne veux pas qu'on s'en prenne à lui. Je ne veux pas qu'on s'en prendrait à lui. Et il faut remarquer une chose. Il y a des choses qui sont documentées aux États-Unis. Parce que les crimes qui sont liés à l'immigration, la plupart sont liés à l'immigration illégale. Il y a 33 000 fusillades liées aux immigrants illégaux, 1 700 homicides, 3 000 vols et 4 300 crimes, c'est-à-dire des viols sur des gens. Donc directement, la sécurité des populations sont menacées. Donc, si quelqu'un qui veut le bien de son pays ne veut pas qu'il y ait de l'immigration illégale à cause des problèmes que ça crée dans son pays, je ne vois pas pourquoi on s'en prendrait à lui. Je peux comprendre bien, hein? Ok, Kemi Togotowa, je veux bien me coller et États-Unis à me couvrir illégalement. Bon, ma foi, c'est que il y a des mesures atténuantes de Banyao, mais ça n'a rien à voir avec Trump. Trump, lui, le veut le bien de l'Amérique. Maintenant, le plateau, bien, Trump est raciste, tout ça. Je vais vous rappeler une chose, Trump, bien même avant même de rentrer dans la politique, il y a eu plein de gens, plein d'amis noirs américains. Il y a eu Michael Jackson, il y a Jesse Jackson, il y a Al Capone, il y a Don King, il y a Mike Tyson, Oprah Winfrey, sont des amis de Trump. Même c'est dans parce son que, what are you talking about? Attends. C'est parce que non, Trump, d'abord... Non, c'est attends. Parce que quand vous le dépeignez comme un raciste... Laissez-moi développer. Donc quand vous le dépeignez... Il y a déjà fait plus de 5 minutes, il y a beaucoup de gens ici. Oui, hein? Mais quand vous dépeignez quelqu'un comme un raciste, il faut oublier qu'il a eu des amis noirs américains et plusieurs minorités. Amélie Diobéna, quand Trump était venu, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Mais déjà, je veux rappeler une chose, le fait même de ne pas s'ingérer dans la politique africaine, c'est déjà quelque chose qu'il a fait. Ramener une chose de moins 5 à 0, c'est déjà un grand pas. Obama, quand il était là, il s'est ingéré dans la politique africaine. Des guerres partout, en Syrie. C'est sous son règne qu'on a tué Kadhafi. Vous savez que Trump a vivement critiqué Obama pour avoir été l'un des artisans de la tuerie d'Obama. Il a dit, quand vous avez tué Kadhafi, qu'est-ce que vous avez trouvé dedans? Obama, quand il était venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu imposer l'homosexualité aux Africains. Non, il a fait. Qu'est-ce qu'Obama a fait? Parti au Sénat. Il dit qu'il a voulu. Arrêtez de dire que c'est Obama qui a imposé. On lui a obligé. C'est eux qui étaient d'accord. Ce n'est pas Obama. On l'a obligé. Il a dit ça de lui-même. Ça ne venait pas de lui. On lui a imposé ça. Obama a voulu imposer, si bien que même Robert Mugabe dans le temps, et tu n'as bien année, il est dit, il a imposé na Yohane Vane, et toi, il a dit. Vous ne savez pas, bon, c'est pour la petite histoire. Donc, je pense que les gens sont tellement mal informés sur la personne. Après, c'est une guerre politique, parce que les démocrates, là, dans, historiquement, ils ont profité des votes des minorités. Donc, quand Trump est venu sur la scène avec sa politique, il faut le dépeindre en utilisant la force des médias, il faut le dépeindre en tant que quelqu'un qui est raciste, en tant que quelqu'un qui est contre les minorités pour avoir le vote des minorités. C'est ça. C'est ça la politique, la guerre politique. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours rester à écouter CNN, ABC, CNBS. Non, les chaînes de propagande.
Ouais. Imaginez le culot. Tu as le culot de nous dire de ne pas regarder. On me sort parole. Je ne vais pas écouter seulement. Je ne vais pas écouter seulement. On me sort parole. Nami, on me le sonya. On me sort parole. Quel est le sort de Nazaga? Ampero. Ampero, le Kengbezaga va. Ampero, tu es toujours là? Oh, le sort de Nazaga va. D'accord. Nyabesta Zaga, on vous écoute.